Nous entamons la dernière phase de la résidence d'architecture à Arles sur les îlots de fraîcheur en milieu patrimonial. Après un diagnostic vivant auprès des acteurs des services municipaux et des habitants, nous interrogeons maintenant les élus pour comprendre la vision portée sur les territoires et peut-être réinterroger à plus grande échelle la stratégie communale de fraîcheur sous le prisme de nos recherches. Nous rencontrons le maire en place, Patrick de Carolis, qui nous explique les particularités patrimoniales de la ville et les blocages qui limitent les aménagements. Arles n'est pas la seule ville à être confrontée à la vague de chaleur caniculaire qui envahit le sud de la France. Mais Arles a une particularité, c'est que c'est une ville patrimoniale, une ville minérale, une ville qui a été bâtie comme cela, mais avec une particularité, c'est que c'est une ville qui est à la fois urbaine et rurale. Et donc nous avons deux défis à relever. Nous avons le défi de la ruralité, c'est-à-dire comment nos espaces, et vous savez que la ville d'Arles est la première commune de métropole, 75 000 hectares. Et donc comment la Camargue va-t-elle s'insérer et affronter la transformation climatique? Comment la plaine de l'Acro également? Donc c'est déjà un défi rural environnemental. Et puis nous avons le problème de la ville urbaine, et qui en plus est une ville patrimoniale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça, c'est un vrai défi. Faire de notre ville une ville pilote, c'est déjà prendre conscience que nous avons un vrai problème. C'est-à-dire que nous, chaque fois qu'on plante un arbre, 2 mètres en dessous, vous avez la romanité qui se rappelle à nous. Il est nécessaire un petit peu de revoir notre vision que nous avons sur les secteurs sauvegardés pour pouvoir développer des espaces urbains qui soient un peu plus, je dirais, moins minéraux, qu'ils soient un peu plus végétalisés, où la place de l'eau est importante, parce qu'on sait très bien qu'en fonction du positionnement de l'eau, en fonction du positionnement des arbres, nous avons un rafraîchissement naturel. Alors pour moi, le patrimoine, ce n'est pas un obstacle. Au contraire, c'est un atout, c'est un enjeu. On doit en tenir compte et cet atout-là, il faut simplement l'étudier, il faut simplement l'observer. Et à travers les constructions d'origine, on a les solutions. Et il faut peut-être oublier un petit peu tout ce qu'on nous apprend pour pouvoir apporter de nouveaux projets, de nouvelles visions sur la manière dont on voit tenir compte du patrimoine tout en apportant un nouveau cadre de vie au sein des secteurs sauvegardés. Et puis, il faut que les mentalités évoluent. De toute façon, aujourd'hui, on est obligé, au regard du réchauffement climatique, au regard des besoins de se déplacer. La voiture, par exemple, n'a plus besoin d'être en centre-ville. Il faut que nombre de secteurs sauvegardés, de villes à secteurs sauvegardés, font en sorte que la voiture ne soit plus présente en centre-ville, excepté bien sûr pour les habitants qui habitent au sein de ce centre ancien. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, ceci dit, c'est la sauvegarde de tout ce qui est du patrimoine ancien et qui est parvenu jusqu'à nous. Et c'est quand même un miracle d'avoir des trucs qui remontent au Moyen-Âge, au XVIIe, au XVIIIe. Mais ça s'appelle aussi mise en valeur. Et donc la mise en valeur, ça consiste à venir, habiter, être en amabilité avec ce territoire un peu exceptionnel, mais vivre dedans. Donc quand on vit, un bon document d'urbanisme, en réalité, c'est sans arrêt sur le chantier. Ça permet de réguler et de donner des priorités, mais après, dans le détail, on va avoir toutes sortes d'aménités à trouver pour s'adapter à un projet, pour discuter avec les gens. La caractéristique d'Arles, de ce point de vue-là, c'est qu'ils ont une équipe municipale, aussi bien élue que fonctionnaires architectes conseil, qui sont sur le terrain. Et c'est pas l'architecte des bâtiments de France qui a la haute main sur tout, c'est un collectif. Donc un collectif, ça veut dire qu'on discute. La question des secteurs sauvegardés, elle est faite aussi autour de l'habitabilité, c'est clair. À l'époque, on avait ces deux éléments en tête, au sortir de la reconstruction, au début des années 60, pour que le bâti ancien puisse être réhabilité au sens propre. Donc notre position là-dedans, c'est de dire, en fait, les anciens, pour beaucoup de choses, nous montrent la voie. Et un des sujets tout à fait compatibles avec le patrimoine, c'est parfois de rétablir. Rétablir des arbres qui ont été coupés bêtement pour la voiture, rétablir des sols qui ont été asphaltés, en dessous desquels on trouve parfois du stabilisé ou des pavés posés sur sable,
Et puis des techniques aussi d'ombrage au-delà des arbres qui existaient. On n'est pas très loin, je pensais à Beaucaire, je sais que cet exemple a existé à Marseille aussi, donc il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas existé à Arles, de protection par des toiles à travers les rues, qui permettaient d'apporter un confort. Donc cette démarche, elle est là. C'est la ventilation des logements aussi, c'est le dégagement des cours qui ont souvent été encombrés de différentes choses. Or, le règlement incite vers le dégagement des cours, voire le rétablissement de plantations dans ces cours. Ça, c'est d'abord cette démarche-là que nous regardons et qu'on estime être totalement patrimoniaux compatible. Le secteur sauvegardé peut s'adapter aux enjeux contemporains de l'habitabilité du centre ancien. Avec la résidence, notre étude permettra de faire évoluer la réglementation en l'adaptant à de nouveaux usages. Pour atteindre cet objectif, nous avons mis en place une analyse fine du tissu urbain et fait des propositions sur plusieurs lieux emblématiques. L'objectif est de montrer qu'une méthodologie peut s'appliquer à d'autres villes moyennes et qu'Arles est une ville pilote en la matière. Pourquoi a-t-on décidé de faire Arles une ville test ? Ben, tout simplement parce que j'ai eu un problème. Et que je me suis tellement étonné d'avoir ce problème-là qu'on s'est dit qu'il va quand même falloir qu'on se penche sur cette ville. Et le problème était tout simple. C'est que nous avons commencé à restaurer, à réparer la ville, à la transformer petit à petit, à améliorer les services que l'on rend à la population, sur la voirie, sur les écoles, être en conformité avec le bilan énergétique. Et je me suis rendu compte qu'en faisant une place, je trouvais normal d'y mettre une fontaine. Et je me suis laissé entendre dire, mais monsieur le maire, il n'y en avait pas avant. Et ça c'est aussi une transformation. Et là aussi, il va falloir adopter et adapter le langage et le propos. Parce qu'il n'y avait pas avant sur cette place de la République l'obélisque. Il n'était pas là. Donc il ne fallait pas le mettre là. Il n'y avait pas les arènes avant. Donc il ne fallait pas construire les arènes. Il ne faut pas non plus empêcher le mouvement et ne pas rentrer aussi dans l'adaptation, la transformation, etc. C'est une compréhension mutuelle qu'il faut avoir. Nous restituons nos travaux de recherche sous la forme d'une exposition collective et itinérante qui prendra place dans le vestibule de la mairie. Ce mode de restitution se veut interactif, collectif et partagé. Nous présentons l'exposition aux élus avant l'ouverture officielle aux habitants. L'occasion privilégiée pour nous de rentrer dans le détail de nos analyses et peut-être d'infléchir certains points de vue. Parfois, une vision d'expert n'est pas forcément accessible et nous essayons de vulgariser au maximum les données scientifiques. Ça, c'est une gravure d'art, donc on voit. J'ai une photo d'époque, justement, la robine du roi qui était à côté de la cavalerie, en proposerait. Là, en fait, c'est le Réaubine, en fait, c'est la robine. On me dit qu'il n'y a plus le socle du pont. N'existe plus. On n'en sait rien, il faut creuser là, il faut qu'on fasse des sondages. Hein. On n'en sait rien, moi je dis qu'on ne sait pas. J'ai jamais eu de résultat de sondage de quoi que ce soit. Pour restituer nos travaux, il fallait aussi une balade sous la forme d'une rencontre dynamique. Pour changer le regard sur la ville et comprendre les enjeux liés à l'adaptation des espaces publics. Nous proposons un parcours incluant les espaces sur lesquels nous avons travaillé.
Ce temps de redécouverte permet aux acteurs de la ville de percevoir différemment des espaces et de sortir des habitudes de pensée. C'est un temps de partage, mais surtout de redécouverte du patrimoine arlésien. Donc là, on se situe à la place, sur la place Henri de Bornier, qui est une place un peu mythique d'Arles, parce qu'elle est, on va dire, à la jonction entre deux monuments qui sont très importants. En premier lieu, les arènes ou l'amphithéâtre et le théâtre antique. On a derrière nous le collège Saint-Charles, si je ne m'abuse. Et en fait, nous, ça a été un des territoires de projet, parce que c'est une place qui a vécu différentes évolutions autour de sa vie, on va dire. Donc là, ce que vous percevez pas actuellement, c'est en fait, c'est une ancienne dent creuse et on avait un bâtiment ici qui venait boucher la vue entre les deux monuments, qui a été détruit au cours du XXe siècle. Finalement, on est dans un endroit qui est très ensoleillé, où il y a peut-être un apport d'air qu'on peut sentir et on se disait, ben voilà, ce serait intéressant de faire le lien en fait sur cette place entre cette problématique de l'eau qui est absente dans le centre-ville d'Arles. Alors que finalement il y a une fontaine juste à côté qui a été alimentée par le canal de Craponne. Et on se disait, finalement, est-ce qu'on pourrait pas amener à ce point le plus haut de la ville une fontaine qui pourrait finalement irriguer peut-être d'autres fontaines ou des pieds d'arbres? Les places sont des lieux de vie et de rencontres collectives emblématiques. Mais les rues sont aussi un lieu de potentielle reconversion pour adapter la ville. Pendant des décennies, l'imperméabilisation des sols a créé des pathologies sur les pieds de mur des bâtiments et l'humidité s'est installée, durablement. Des solutions existent, respectant le patrimoine architectural, pour tirer parti de ce potentiel de fraîcheur et assainir ces espaces. En pied des murs, par exemple, on va se retrouver avec des remontées capillaires, c'est-à-dire qu'on a l'eau qui est dans le sol, qui du coup ne peut plus s'évaporer, en particulier en hiver, et du coup va vouloir à tout prix ressortir. Et bien en fait, les murs vont servir de mèche, c'est-à-dire qu'ils vont absorber l'eau, et vont vouloir remonter. C'est pour ça, souvent dans les maisons arlésiennes, au rez-de-chaussée, on se retrouve avec impossible de faire de la peinture ou des enduits, parce que ça craquelle, parce qu'en fait les murs sont gorgés d'eau. Bien souvent, cette végétalisation urbaine, c'est une végétalisation citoyenne, et donc ça permet vraiment d'impliquer les gens dans l'espace public. Et il n'y a pas tant de possibilités que ça pour les gens de s'impliquer dans l'espace public. Aujourd'hui, l'espace public, il est un tout petit peu confisqué par les services des communes. Et je trouve que voilà, c'est ça aussi cet aspect-là très intéressant. Et juste pour finir sur la question de l'eau et de ces remontées capillaires, pour penser quand même que l'arbre, c'est le meilleur assainisseur des sols, hein, puisque lui, il va passer son temps à remonter l'eau. Un arbre, ça peut remonter 200 litres d'eau par jour. Hein. La fin de la résidence s'est marquée par l'ouverture au public de l'exposition. La curiosité des Arlésiens a été grande, les regards bienveillants. Cette résidence nous a permis collectivement de porter un regard d'expert sur le sujet. Et cette exposition itinérante est une pierre posée à l'édifice de la recherche des îlots de fraîcheur. L'adaptation de nos villes aux enjeux climatiques est un sujet hautement politique. Le sujet est collectif car il touche les us et coutumes de la cité et se rapporte à l'usage et aux habitants. C'est aussi une vision technique qu'il faut changer. Organiser des temps d'échange pour concevoir différemment nos espaces publics. Cela engage un changement radical et fort des modes de fabrication de la ville. En ce sens, Arles constitue une ville pilote sur ces sujets, dont le secteur sauvegardé sera un document réglementaire référent pour les autres villes moyennes. Le résultat, c'est quoi? On nous dit l'eau, la terre, l'ombre, le vent. Finalement, pendant 50 ans, on s'est pensé complètement hors sol et on est en train de nous redécouvrir terrien. Et que c'est avec ces éléments terrestres que nous avons les moyens de penser, de combiner, d'imaginer des choses qui seront autant de réponses pour notre avenir demain. Le patrimoine a démontré, et les résidents l'ont démontré, qu'il a été fait avec des matières vivantes, qui étaient toutes issues, qui pouvaient s'additionner couche sur couche sans jamais polluer vraiment les sols. On va regarder en arrière, mais pas pour être dans le passé, mais pour au contraire ressourcer notre invention et notre imagination. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole aux résidents. Je pense à Margot et bonne soirée.
Moi aussi, je vais faire court. Juste pour vous dire que c'était une chance inouïe en fait pour nous de pouvoir faire cette résidence d'architecture. C'est un format très rare pour nous de répondre à ce type de commande et d'être sur place dans un territoire, de rencontrer les acteurs et de connaître tous les interstices, toutes les failles de ce territoire. Et c'était vraiment exceptionnel. L'exposition, c'est on l'a pensé d'une manière assez simple, c'était que on a essayé de classer toutes les données qu'on a pu les données et puis les pistes de recherche qu'on a pu développer pendant cette résidence sur quatre principes. Donc on a quatre modules du coup qui sont en lien avec ça. Donc un module plutôt sur qui est diagnostic sur le soleil et la chaleur, un autre qui est sur l'eau, un autre sur le vivant et la place de l'arbre en ville, et enfin le dernier qui est plus autour de l'ombre et des brises, où on a fait le lien entre ces deux éléments qui étaient aussi vecteurs de fraîcheur. En tout cas, ben, merci beaucoup et bonne lecture. Et s'il y a des coquilles, c'est normal, on risque de remplacer quelques planches. Voilà, merci, bonne soirée. Bravo. Écoutez, je vous invite bien sûr à découvrir cette exposition et à prendre ensuite un verre de l'amitié pour échanger avec toute l'équipe. Je vous remercie. À travers cette résidence, nous avons tenté de relier la ville avec son passé historique afin de tirer parti de l'existant plutôt que d'apporter des solutions extérieures, exogènes et dont le coût environnemental n'est pas certain. L'enjeu maintenant est principalement de trouver ensemble des voies et les possibilités de changer nos espaces publics, de proposer des solutions prenant leur source dans le passé, mais toujours en regardant vers l'avenir, de partager la ville comme un bien commun et de négocier le changement pour considérer le patrimoine existant comme un atout.